Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe WhatsApp et aussi Facebook. N'oubliez pas aussi à partager ça à vos amis. Bref, la famille, j'aimerais vous faire écouter la vidéo de Stéphane Kipré qui allait faire meeting dans un village où il est en train de parler toujours des gens qui ont abandonné Laurent Gbagbo. Les gens qui ont abandonné Laurent Gbagbo dans la politique, qui sont allés créer eux les partis. Aujourd'hui, vous allez écouter ça. Et hier, le pourquoi. Aujourd'hui, les gars détestent Affin Guessant. Voici Affin Guessant qui va faire une petite révélation concernant si l'affaire de détournement de 4 milliards, où ils ont falsifié la signature d'une personne quand ils étaient au pouvoir. Et il va souligner aussi que c'est parce qu'ils étaient tant de Laurent Gbagbo, c'est pour cela, cette affaire-là, ils n'ont pas parlé de ça. La lettre, cette fameuse lettre, aujourd'hui, où on dit non que Blé Goudé n'a qu'à envoyer sa lettre en cours, sa lettre en cours. Voici aussi autre lettre, tant de Laurent Gbagbo, voici autre lettre qui va sortir, où il y a eu 4 milliards de détournements, et où ils vont mentionner le nom, où ils vont expliquer. Dans l'explication là, mais vous allez comprendre c'est de qui on parle. Stéphane Kipré. Vous allez attendre ça. Je vais vous faire jouer la vidéo de Stéphane Kipré d'abord. Et bien avant, je vais enchaîner en même temps l'audio. Toujours c'est l'audio et puis ça pique. L'audio d'Affin Guessant. C'est maintenant qu'il comprend pourquoi. Il dit les papous, 2025 ans, les papous vont se casser. Les papous vont se casser. Viens d'avant qu'on rentre en 2025. Le papa va se casser. Quand il fait quoi? Il miche d'autres personnes. Le papa va se casser. La famille, écoutez bien Stéphane Kipré. Et aussi, vous allez écouter Affin Guessant. Voici la vidéo. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre loyauté. La loyauté et la fidélité, aujourd'hui, on doit dire merci aux gens pour ça. Parce que la loyauté et la fidélité est une valeur qui a disparu en politique. La loyauté et la fidélité est une valeur qui n'existe plus en politique. Qui pouvait penser que certaines personnes allaient abandonner Gbagbo? Qui pouvait penser que des gens que Gbagbo a fabriqués pouvaient s'asseoir et vouloir lutter avec Gbagbo? Qui pouvait penser que certaines personnes qui n'existent que par Gbagbo pouvaient abandonner Gbagbo? Mais vous, les populations, dans les villages, dans les hameaux, vous êtes tous les jours en train de nous démontrer que la fidélité et la loyauté ne s'écrit pas. Quand tout va bien, quand on est au pouvoir, on aime Gbagbo, on aime Gbagbo, parce que Gbagbo a permis qu'on puisse rouler dans les grosses voitures. Dès qu'il y a le premier vent, on abandonne Gbagbo. Oh, cette Côte d'Ivoire-là, il faut que ça disparaisse. Et ça, je suis venu vous dire, venez voir ce que les populations nous démontrent, la loyauté, la fidélité. Merci pour cela, pour votre loyauté. Merci pour votre fidélité. Merci, parce que je... Quand ils ont vu, même avant même qu'ils prennent leur décision, quand ils ont vu que leur affaire là, c'était pas très très solide, ils ont tourné, ils disent, bon, ils sont entrés en laboratoire. Il sort, il dit, ah, Gbagbo a envoyé la lettre maintenant. La lettre qu'on attendait pour le dossier, Gbagbo a envoyé la lettre. On s'en va regarder la lettre, c'est un faux. J'ai décrit dans le jeu, c'est un faux. Parce que parmi eux, là, dans leur clan, là, il y a beaucoup de faussaires. Il y a un même qui a imité la signature, à l'époque, la signature du ministre d'Économie. Pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Et il a empoché près de 4 milliards. Et je sais que c'est lui qui a fait, qui a imité la carrière de Gbagbo. Non, comme ce sont des faussaires, on les connaît ici, et ils vont se cacher en France pour essayer d'emmerder. Il faut maintenant leur parler. Qui dit les garçons n'ont qu'à venir et puis on va aller voir.
Si ce n'est pas Gbagbo, il sera en prison aujourd'hui. Si ce n'est pas parce qu'il est un proche de Gbagbo, il sera en prison. Et aujourd'hui, il est assis là-bas et puis nous emmerde. Alors que c'est un faussaire, connu de tout le monde. C'est lui qui a imité la signature de Gbagbo. Il a déjà fait ici. C'est son travail. C'est son travail. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Stéphane Kipré, ce qu'il a dit. Et vous avez écouté aussi. Oui. Vous avez écouté le premier ministre à ce temps. Afi Pascal Afi Nguessan, c'est qu'il a dit. Vous voyez. Vous voyez. Quand les gens font les meetings, eux sont au village là-bas, eux sont fait les meetings, parler de Laurent Gbagbo, voici ce que les gars disent. Non, ceux qui ont trahi Gbagbo, oui, Gbagbo a fait ceci, Gbagbo est la clé de la Côte d'Ivoire, Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela. Mais attends, c'est les villageois que vous pouvez avoir. Mais nous, 2025 là, on vous dit, nous on vous demande pardon, envoyez vos carnets d'adresse ou envoyez vos carnets d'adresse. Si vous envoyez vos carnets d'adresse, nous, ça peut nous donner la force de vous croire. Voilà, de vous croire et de vous donner des points aussi. Voici ce qu'Afi Nguessan a dit. Vous qui parlez de cette fameuse lettre de Blé Goudé, la lettre qu'il a envoyée à Gbagbo, ce n'est pas quoi arriver là. Voici une histoire de lettres encore. Jusqu'à il y a eu détournement de 4 milliards de francs CFA. C'est parce que la personne est chez lui. Il est à côté de Laurent Gbagbo. Donc, elle est là. L'affaire s'est étouffée. Vous voyez. C'est cela comme ça. Vous voulez encore qu'il n'ait qu'à venir au pouvoir pour vous voler seulement. Pour voler seulement. Regardez les bus qui sont arrivés à Yamoussoukro. On dit 4 milliards. Bus seulement, les bus qui sont arrivés à Yamoussoukro. Et tout le monde est content là. 4 milliards. Toi, tu voles les 4 milliards. Sinon, sur toi. Toi, tu vas foutre quoi les 4 milliards. Des plus voleurs mais qui ont volé depuis 1900 combien là, ils sont encore là. Les gars n'arrivent même pas à réaliser chez eux. Ça là, c'est ça on dit. Mentalité ça là, nous on veut pas ça. Quand vous partez faire vos meetings dans les villages là, soyez humbles, soyez honnêtes dans vos dits. Soyez un peu honnêtes dans vos dits. Parce que les actes que vous posez là, ça vous rattrape demain. Ça vous rattrape demain. Mais moi je pense que quand on dit... On s'en va faire les mythiques. Parlez de... Vous avez quoi? Vous proposez quoi aux Ivoiriens? Ne dis pas que oui, Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, oui, le prix des cacao, c'était à 1100 francs. Oui, tout était vraiment le prix de tout, les marchandises, c'était flambé. Oui, tout le monde était à l'aise, tout le monde mangeait bien. Mais ceux qui sont stupides, ceux qui peuvent vous croire, sinon ceux qui ont la tête... qui réfléchit là, ils vont vous poser la question. Quand vous étiez au pouvoir là-haut, 2 ans après, le pays s'est divisé en deux. Vous avez une moitié du pays. Donc, c'est ça, cette moitié-là, vous avez géré. Sinon, vous n'avez pas géré un pays entier. Et dans gérer une moitié du pays là, regardez ce qui s'est passé. Afi Nguessan, c'est lui qui a cassé le pape. Et c'est nous, on savait 4 milliards. Parce que vous étiez à côté de Laurent Gbagbo, l'affaire l'a étouffé. La famille, c'est ceux-là comme ça, vous voulez qu'on leur donne le pays encore? C'est ceux-là encore que vous voulez, on est dans le pays. Mais si on est dans le pays, on est foutu. Si on est dans le pays encore là, on est vraiment foutu. Mais attends, on va où avec ça? Prenons-nous au sérieux quand même. Prenons-nous au sérieux. On ne peut pas être là en train de se manigasser, en train de se jubiler seulement. Oui, Laurent Gbagbo, ouais, Laurent Gbagbo, c'est l'homme de la paix. Laurent Gbagbo, c'est lui. Oui, sans Laurent Gbagbo, le pays n'est rien. Oui. Mais Laurent Gbagbo a fait 10 ans, il a fait quoi? Laurent Gbagbo a fait 10 ans, il a fait quoi? Il a fait que des statues, des monuments seulement, des monuments qui poussaient. Regardez les images qui défilent là, ça fait pitié. Ça là, c'était autant, parce que ce n'est pas toutes les images qu'on a. À ce temps-là, on n'avait pas trop de téléphones Android. Tant de Laurent Gbagbo, là, il n'y avait pas trop de téléphones Android. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas trop triché ça. Là.
Oui, regardez. Ça, c'était les monuments seulement que Gbagbo faisait. Aujourd'hui, vous voulez que Gbagbo vienne au pouvoir. Attends. Vous n'avez pas pitié de cette jeunesse-là. Vous avez détruit l'avenir de nos grands frères. Vous encore, vous voulez venir détruire notre avenir? Vous gâtez, détruire l'avenir de nos petits frères? Non, on ne peut pas vous laisser ça. Nous, on ne peut pas accepter. On est sur les réseaux sociaux, là, c'est pour éduquer les Ivoiriens à mieux comprendre. Faites votre choix à celui qui peut développer vos pays. Ne dis pas je suis fanatique parce que Stéphane Kipré, on vient des mêmes villages, Gbagbo, on vient des mêmes régions là, Alassane, on vient des mêmes régions là, donc on va aller voter Bédié ou on va aller voter Alassane. Non, suivez quelqu'un qui a des projets pour ton pays. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas des gens qui vont venir danser, des gens qui vont venir fumer la cigarette, des gens qui vont venir. Non, on n'est plus là. Ce stage-là, on a déjà oublié ça. On a déjà oublié ce système-là. C'est quel projet que vous voulez nous montrer et puis nous, on va vous croire. C'est quel projet? Il n'y a plus de projet que vous pouvez nous berner avec ça. Non. Dieu merci. À vos temps-là, nous, on était en vie. À vos temps-là, nous, on a connu un peu ce qu'on appelle vraiment gérer un pays. Donc là, vous. Eh Seigneur. Attendez d'abord. Je vais faire ça et puis je vais me concentrer. Excusez-moi. Donc vous comprenez, non? Car celui qui est au pouvoir, qui est papa ado, vous allez passer dans les villages, fait ceci, fait cela. Mais vous allez voir, il y a des gens qui vont aller. Qui vont aller. Moi, je suis très heureux que Mamadou Touré, lui, il a décidé de créer parti. Et je suis content si vraiment, parce que c'est la même chose qu'on doit faire. Le RADP doit se diviser en plusieurs parties. Oui, le RADP doit se diviser en ceux qui veulent être les vrais leaders, doivent se diviser en plusieurs parties pour aller convaincre d'autres personnes. Là, quand c'est après, là, ils vont faire fusion. Faites ça. Parce que souvent, là, d'autres pensent que ceux qui sont RADP, c'est à cause d'Alassane. Non. D'autres viennent à cause de Touré Mamadou. D'autres viennent à cause de Cissé Bakongo. Donc, c'est tous ces choses ensemble. C'est ça qui donne la force à papa, choses à papa Ado. Donc, vous aussi, là, partez faire des campagnes. D'abord, Stéphane Kipré se lève pour aller faire des campagnes. Vous dites, non, le Rak Gbagbo est comme ça. Le Rak Gbagbo, oui, tout le monde l'a laissé. Qui l'a laissé? Quand Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire, son arrivée, sa femme, qui était sa femme, Simone allait voir, allait serrer son mari dans les bras. Son mari a fait comme ça. Entre vous, qui a dit à son ami, c'est bon entre nous? C'est Laurent Gbagbo, ce n'est pas Simone. Même aujourd'hui, la fameuse lettre qui est dans les coulisses, on dit, c'est pas quoi arriver chez Gbagbo. Mais tout le monde est en train de parler de ça, le monde entier est en train de parler de ça. Mais vous allez me dire non, que Gbagbo n'est pas au courant de ça pour dire, viens mon fils, on va parler de ça. Vous voyez des choses comme ça. Et on vous demande les 4 milliards parce qu'aujourd'hui, Afingué s'en a parlé des 4. Parce que là, c'est pas l'audio, là, c'est pas pour maintenant. Hein. C'est pas pour 2023, là. Je pense que c'est pour 2021, entre 2021 ou 2022. Il a parlé des fameuses lettres où il y a eu détournement des 4 milliards de café cacao. Où Gbagbo, à un moment, Gbagbo a dit, on t'envoie, faut savoir t'envoyer. Et eux, on vous dit, vous voulez, non? Des choses comme cela. Un président de la République, toi, tu es président, ils sont là volés. Et tu dis, non, on vous voit. Donc, si on vous attrape, c'est que c'est vous, hein? C'est pas, un président ne doit pas faire ça. Un président ne doit pas faire ça. Si tu sais que tu as appris que tes gars en train de voler, là, tu mets la main sur eux. Non, arrêtez ça. Mais tu dis, ah, vous volez, hein, mais le jour où on vous attrape là, c'est que ça là, c'est des trucs enfantins. C'est des trucs enfantins. C'est des choses même que. C'est un enfant, tu peux faire des choses comme ça. Vous voyez, des gens n'ont pas de charisme pour gérer un pays. Mais tellement que les gars voulaient gérer un pays, ça les a surpris, voici ça. Quoi, récompense de ça, 10 ans, zéro. Zéro. Tellement qu'ils voulaient gérer le pays, ils n'avaient pas de charisme, ils n'avaient pas de je peux dire, comment dirais-je, la sagesse de gérer un pays.
Mais on lui a donné un pays. 10 ans, il n'a rien foutu. C'est celui-là encore, c'est ce même gars-là. Vous voulez encore lui donner 5 ans, on va dire 5 ans, et puis ça arrive à 20 ans. Non, 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 ça n'existera plus. Baboumé ne va pas me dire non, que lui va être candidat. C'est lui-même qui se bat à chaque fois pour dire pourquoi Alassane a fait 3e mandat. Donc lui, ce qu'il veut faire là, c'est combien de mandats? Ce qu'il veut faire là, ça là, c'est combien de mandats? Asseyons-nous, réfléchissons quand même. Oui, asseyons-nous, réfléchissons quand même. Même si on pose les actes là, mais on doit s'asseoir et puis on va réfléchir, on va dire attends, où allons-nous avec ce qu'on fait? C'est là le problème. On ne peut pas être là pour dire, lui là est comme ça, lui là c'est ici, non, moi ici, oui, non. Vous avez vu, c'est pour cela que le FPI ne va pas se réconcilier tout à l'heure. Parce que Afin Guessa, il a un recouché tête dans son ventre. Il a des révélations qu'il n'a pas encore dévoilées. C'est là. Vous l'attendez, vous l'avez vilipané. Il reste encore Mamadou Coulibaly. Lui, il est encore là. Il attend. Lui, son recouché est là. Tout cela, Simone n'a pas encore parlé. On est là, on regarde. Ayez pitié de vous-même. Quand vous faites les choses, ça vous rattrape. Ça vous rattrape aujourd'hui, ça vous rattrape demain. Vous êtes dans les coulisses en train de torpiller ce pouvoir qui est en place, ce pouvoir qui est en train de travailler. Mais vous aussi. Ayez au maximum, au moins minimum, du respect de celui qui est en train de travailler pour le pays. Moi, si c'était moi, si j'étais dans votre parti, moi, j'allais être reconnaissant pour dire ce gars-là travaille. Mais nous, là, nous, on peut faire plus que lui. On peut faire mieux que lui. Et on reconnaît qu'il travaille, mais nous, on peut faire mieux que lui. C'est un défi. Mais vous voyez que la personne qui est en train de travailler au pouvoir, et vous dites donc que ce qu'il est en train de faire, c'est vos projets. Il ne travaille pas, il a volé les projets. Mais attends. Attends. Bon, lui, il a volé. Vous avez des projets là. Pendant 10 ans, vous n'avez même pas planté quelque chose. C'est dans la bouche, vos réalisations là se passent où bien. Et Seigneur, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous parce qu'on est possédé. Seigneur, aide-nous parce qu'on est possédé. Oui, l'Afrique est possédée. L'Afrique veut sa délivrance. Après, c'est pour accuser les Blancs. Non, c'est les Blancs qui sont à la base de nos malheurs. Oui, c'est les Blancs même qui ne veulent pas que nous on avance. C'est les Blancs qui sont derrière nos réussites. Mais nous-mêmes, entre nous, on se rétape. Quand Blanc, quand lui reconnaît que son frère est en train de travailler là, il reconnaît et puis il dit, Joe, moi je vais t'aider à développer. Mais en Afrique, non. Vous voyez Alassane en train de travailler et puis vous partez faire vos meetings. Ah, Alassane, c'est un voleur d'idées. Oui, il ne travaille pas. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est Shintok. La route même, il n'y a rien. Oui, c'est une route de 2 jours, ça c'est gâté. Oui, c'est comme ça. Il prend des milliards, il fait des trucs Shintok. Mais quand même, quelqu'un qui fait Shintok, moi je préfère que celui qui fait des projets dans la bouche. Je préfère celui qui fait des Shintok, lui qui fait des projets dans la bouche. Lui qui fait des projets dans la bouche, est-ce qu'il réalise des milliards qu'il a pris là? Où ça y est? Wallahi bilahi. Apprenons-nous à nous respecter quand même. Un peu de respect, un peu de dignité. L'Ivoirien, nous, on est fiers. Dans nos fiertés, là, on ne veut pas que les gars cachent là. C'est comme ça, nous, là, on dit, si vous n'envoyez pas vos projets là, nous, on est avec Papadou. C'est le développement, il n'y a rien. On est avec Papadou, en bride, aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui ou demain, on sera avec lui. Parce que ce gars, c'est un homme de parole. C'est un homme de confiance. C'est un homme qui dit ça là et demain il réalise ça. C'est un homme qui parle 3 fois dans l'année. Mais vous, c'est quoi? Si aujourd'hui vous sortez, vous ne parlez pas des prisonniers politiques. Après, c'est pour venir parler de Peter. Après, c'est pour venir parler de Picheline Gbaré. Mais vous êtes parti faire des conférences. Dites ce que vous avez fait. Vous pouvez taper vos poitrines. Même aujourd'hui comme ça, si Alassane ne veut plus être candidat, Il peut aller dans les autres villes et puis il va dire, bon, vous voyez, quand j'étais au pouvoir, voyez ce que j'ai fait, voyez ce que j'ai fait. Voyez. Et puis, mais c'est un gars aussi, c'est un pépé là, il n'aime pas parler. C'est son seul problème qui est là. Il n'aime pas parler. Quelqu'un, tu connais son métier réellement là, il ne parle pas. On dit, c'est au pied du mur, on voit un vrai maçon. C'est au pied du mur, on voit un vrai maçon. Mais vous, si vous voyez les maçons, tu dis, moi, j'ai fait R plus 10, il est si fort. Moi, là, tu me donnes, là, il tape ça. C'est que ce gars-là, il faut faire très attention. C'est ça qui est là.
des gens qui sont là, qui parlent que matin, midi, soir. Quand ils parlent même là, tu dis, ouais, mais lui là, vraiment. Tu dis, ouais, lui là, vraiment. Ouais, il va faire quelque chose de bien. Non, lui là, il est bon. Ouais, celui-là, il est bon. Non, quand il fait. Non, mais tu fouilles même, tu fouilles. Tu fouilles les palmarès là, c'est que des zéros. On va où avec ça, de vous à moi? De vous à moi, on va où avec ça? L'Ivoirien veut le développement, vous voulez nous faire retourner. Non, ça ne marchera plus. Même nos petits frères qui sont nés récemment là, nous on doit les parler. Nous on doit les sensibiliser, on doit les aider à ne pas tomber dans les erreurs. Oui, on doit aider nos petits frères à ne pas tomber dans les erreurs. Parce que nous aussi, nous on est tombés dans les erreurs. Cette erreur là, on ne veut plus que ça se répète. Notre erreur, on a fait confiance à ceux qu'on ne pouvait pas faire confiance. Et aujourd'hui, il y a eu des morts. Ils ne sont même pas capables de demander pardon aux Ivoiriens. Ils sont là, oui, Gbagbo est mieux, Gbagbo est quitté en prison. Mais quelqu'un qui est quitté en prison et quelqu'un qui est mort, c'est pour qui c'est grave? C'est celui qui est mort, c'est pour lui qui est grave. Et c'est lui, il va se ressusciter pour dire, je vais parler ou je vais faire ceci. Non, toi tu es encore en vie, tu peux faire ta vie encore. Ayez pitié des morts. Ayez pitié des morts. Tôt ou tard, nous tous, c'est nos places là. Il faut avoir au moins la considération de quelqu'un qui est mort. Il ne faut pas le vilipender. Ça, là, c'est le chemin de tout le monde. Parce que dans ma vie, vous vilipendez les morts des guerres là. C'est comme ça un jour aussi. Là-bas, là, vos règlements de compte, vous allez vous battre avec les morts. Vous n'êtes pas prêt pour demander pardon. Vous allez vous battre avec eux. Bien avant que Dieu me va dire, attends, il y a quoi? Il a dit, mais ceux-là, ils ont foutaise. Oh, ceux-là, ils ont foutaise. C'est ça. Est-ce que vous avez compris? Donc, apprenons-nous à nous respecter. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Quand on voit des choses, on doit dénoncer. On doit dénoncer. Arrêter de mentir à nos frères, à nos sœurs. Que Gbagbo est le meilleur. Si Gbagbo est le meilleur, on accepte. Oui, Gbagbo est le meilleur. Mais cette année, de 2025 à 2030, Gbagbo nous propose quoi? Gbagbo nous propose quoi pour les élections? Il nous propose quoi pour la Côte d'Ivoire? C'est ça qu'on veut. Sinon, Gbagbo est mieux, Gbagbo n'est pas mieux. Nous, ça là, ça ne nous donne pas moyen de garba en manger. Jamais. Arrêtez ça quand même. On attend vos cyberactivistes qui sont dans les coulisses. Non, moi, je suis sorti avec la femme de telle personne. Hey, toi, tu es sorti avec la femme de telle personne. Hey, toi, tu es sorti avec la femme. Ben, ça là, si c'était sur RADP, là, vous allez prendre ça. Wow, ouais, le RADP. Entre humains, ils sortent avec ça. Ouais. Mais quand c'est pour vous, vous voulez étouffer l'affaire là. C'est dit dans vos parties, tout ce qui n'est pas bon là, c'est chez vous qu'on trouve ça. Ce qui n'est pas bon sur cette terre là, c'est chez vous qu'on trouve ça. Sortir à la femme des gens, faire ceci, faire cela, c'est chez vous qu'on trouve ça. Ayez quand même. Ayez pitié des Ivoiriens. Ayez quand même pitié des Ivoiriens. Vous qui parlez matin, midi, soir. Non, Gbagbo est comme ça. Gbagbo est le meilleur président. Gbagbo est ceci. Gbagbo est cela. Ayez pitié des Ivoiriens. Vous n'avez pas pitié, vous n'avez pas honte de nous. Ah, quand même. Comment, mais on parlait anglais. Hein. Parce que quand je suis fâché d'anglais, là, je pense que ceux qui ne comprennent pas le français, là, eux-mêmes, ils vont plus me suivre. Parce que moi, je parle très violemment l'anglais. Yes. Ah, parce que l'autre a dit, comment dirais-je? B, c'est une chose à. Il dit quoi là même? Sous le départ, il a dit quoi là même? Sur son anglais là, tu m'as. Le dessous. On parle anglais, vous allez voir. Il y a quoi? On me dit ici, c'est vous. Stéphane qui prête. Ouais. Bon, la famille, bon. Je vais vous laisser. Voilà. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis. À très bientôt. Ciao.